Alors je suis avec Ryusuke à Singapour. Alors pourquoi Singapour? Parce que Daiwa a commis la grossière erreur de nous demander de tester du matériel. Alors on s'est dit, bon, plutôt que d'aller pêcher le bar ou faire je sais pas quoi avec leur matériel, eh ben on va tout simplement aller essayer de le casser. Alors on est venu ici dans une fisherie de Singapour où il se trouve qu'il y a pas mal de carangues en captivité et on a obtenu le droit d'essayer le matériel dessus. Donc a priori aujourd'hui il devrait y avoir un petit peu de casse. Alors qu'est-ce que tu as décidé d'exploser toi aujourd'hui? Voilà, ici j'ai un Solotiga Game 3500 avec le canne Solotiga et Solotiga Slider. On va voir comment ça se passe à la fin de journée. Alors moi je la joue encore un petit peu plus sport. J'ai pris une tournament, 28-80 grammes, un hyper custom, Certate, et un petit peu de Daiwa Tournament, la tresse, combien elle faisait? 50 livres. 50 livres. 50 livres, c'est juste ce qu'il faut pour péter une canne. Avec le fluorocarbone Daiwa 80 livres, pour être vraiment sûr que c'est la canne qui pète ou le moulinet. Perso, je pense que tout va exploser. Pour les cannes, c'est plié d'avance. Les moulinets, peut-être qu'ils résisteront à 2-3 poissons. Et on n'est pas tout à fait adapté du tout, hein. Non, en fait, c'est complètement con ce qu'on est en train de faire. Mais c'est extreme game. On va le faire quand même. Je crois qu'on est sur le bon spot pour les tests. Avant de démarrer, on va prendre des forces. Elle tient la canne. Allez, casse, casse, casse. Incroyable. Oh, comment le gars. Regarde la puissance de cette canne. Regarde, regarde. Oh. Qui arrive sous le ponton. Regarde là. Oh, elle est belle en plus. Ah, oh. Yeah. Alors, Nova, tu vas sortir? Alors?
Je sais pas, j'y tenais à ma canne. Canne à black bass, ouais. Scott Fortes. Crazy, hein. Il faut se méfier parce qu'on a tellement de force en casting. Ouais. Puis on peut vraiment tout péter. N'importe quelle corde de ligne, n'importe quelle canne. Mais la force, j'ai confiance. Oh, et l'orage qui arrive. Les pieds dans l'eau, sous l'orage, la canne à la main. C'est la dernière fois que je te parle. Ah, complètement gobé là. C'est du défonçage de cadre. Finalement, la mûre est expansée. J'espère un tout petit peu la péter. Au saut de l'avion, pas une minute à perdre. Ryusuke, Numa et leur guide Thierry ne sont pas seulement jet-lagués. La chaleur ne les quittera plus. C'est parti pour 10 jours de sueur, avec plus de 30 degrés de jour comme de nuit et 80% d'humidité dans l'air. Une moiteur tenace, comme une deuxième peau dont on ne se débarrasse pas. Les premiers effets du décalage horaire se font aussi ressentir, ce qui ne dissuade pourtant personne de visiter les shops locaux. Ici, la pêche est omniprésente, avec même un fishing street. C'est l'occasion de découvrir une dizaine de magasins qui n'ont rien à envier à la France. T'as vu Ruskin, ils ont même des existes. Le voyage reprend. Au programme, 4 heures de ligne droite dans une monoculture de palmeraies qui fout les jetons. Cap sur une partie du pays où la jungle équatoriale demeure encore intacte. Enfin, nos amis découvrent la région de Kuala Rumpin et les spots prometteurs qu'ils pêcheront demain dès l'aube. Bon, on était un petit peu inquiets quant à l'eau qu'on allait trouver parce que c'est la fin de la saison de la mousson. Et il y a encore eu de fortes pluies, y compris cette nuit où il y a de forts orages. Donc l'inquiétude, c'était de trouver une eau hyper teintée.
Et en fait, coup de bol, on a une eau absolument parfaite pour la pêche. C'est-à-dire qu'elle est à la fois teintée et claire. Quand on plonge la main, on voit qu'en réalité, elle est parfaitement transparente. Et ça, pour la pêche, c'est parfait. Ni trop clair, ni trop sombre. Les leurres sont visibles, mais pas trop les détails du piège, en quelque sorte. C'est-à-dire la ligne, les triples et tout ça. Donc a priori, si l'eau est comme ça demain, on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. À mon avis, les fiches, ils vont être là, tu vois. Vu la température qu'il fait, les poissons, ils sont soit sur les shallows, soit sur les bordures, soit dans le cover, plano. Dans la moiteur du soir, on spécule déjà sur les stratégies de pêche. La nuit sera courte, mais à n'en pas douter, pleine de snakehead géants. Plomère, jure. Il se trouve que l'endroit où habite Charles, c'est un petit paradis pour la pêche, aussi bien pour une grosse quantité de selfish, et puis la pêche qu'on essaye de développer à travers ce reportage, celle du snakehead. Dans les bois direct. Oh, on l'attaque de fou. Ça fait penser à les marins un peu, tu vois. Mais là, pour l'entraînement, c'était un petit peu trop, tu vois. C'est un poisson qui faisait déjà, je pense, 3-4 kilos, tu vois. Pour un premier fish, il aurait fallu démarrer plus tôt, là. Mais putain, t'as vu la violence de l'attaque, mais un truc de fou quoi. En fait, ça m'a surpris. Mais faut pas, tu vois, faut pas se poser de questions en fait. Tu serres le frein, taquet, et tu tires dessus. Waouh, il était juste là, là, juste sous la barque. Bon bah c'est reparti. Hein. Je crois aussi qu'on a bien fait de changer les tripes de tous les leurres. J'ai commencé à pêcher avec un bass bait, il fait énorme bruit, en même temps ça ne s'accroche pas avec des algues. Ici apparemment il y a beaucoup de des algues et aussi il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc j'essaie de lancer plus loin possible et couvrir beaucoup d'espace et chercher le snakehead. J'ai quand même l'impression que c'est un poisson qui est ultra posté, comme les brochets, et qu'il faut, il compte énormément sur sa détente pour attraper ses proies, et qu'il faut vraiment passer dessus. Et on voit parce que les guides nous laissent insister super longuement sur chaque poste. On a dit qu'il faut tomber ou dessus ou passer vraiment à côté. En tout cas, pas seulement dans la strike zone, vraiment dans la zone dans laquelle il puisse se détendre et attaquer le leurre directement. On a vu ça sur la première attaque, on voit que c'est un poisson ressort. Il est bien posté, hein. Ouais. Dans l'obstacle. Oui, et il bouge pas, il va pas se déplacer spécialement.
Malaysia. My name is Ryusuke Hayashi. Il est arrivé sur le côté. Il a complètement raté. Alors, on va voir s'ils attaquent plusieurs fois. Ils reviennent pas plusieurs fois. Oh les boules! Shit! Est-ce qu'il est reparti? Putain, c'est comme quoi il était juste là. Ça faisait un petit moment qu'on le pêchait dessus. Hein. Ah, j'ai fait bicher un caméraman au passage. Il rate tous les leurres, ils se prennent hyper mal. Incroyable. Au coup, je vais lui coller un troisième trip, je crois. Allez. Sous un soleil de plomb, les poissons vendent chèrement leur peau. Ryusuke et Numa découvrent au fil des heures l'étendue du Sepayang Dam System, une forêt immergée de 80 km², un royaume hostile, celui du Snakehead. Le pêche, c'est très très difficile. On a raté quelques, on a sorti quelques, mais il y a beaucoup de ratés. Voilà. Ryusuke parle de quelques poissons ratés. Moi je dirais qu'on est plutôt dans les statistiques du tarpon. 10 touches, 8 décrochages. C'est plutôt ça la réalité. Bébé. Après 13 heures de pêche quasi non-stop dans ce labyrinthe hydrographique, le moral des troupes n'est pas au mieux.
Et ce petit trip sur les bébés snackhead n'y change rien. La prospection est éprouvante et les spots innombrables. Numa ne le sait pas encore, mais sur ce dernier lancer, il va prendre un poisson mémorable. Sombre, puissant, violent, puissant, violent, violent. Voilà, c'est pour l'action comme ça qu'on est venu. Regarde, ST41. Et là, on vient juste de faire un poisson dans un endroit finalement pas si dégagé que ça. On était obligé de serrer un petit peu fort les freins. Et résultat, il a ouvert des hameçons qui ont la réputation d'être increvables. Donc on a été obligé de customiser mon petit stick bait avec des tripes disons surdimensionnées. Alors là, on va rater encore plus de petits poissons. Mais enfin, d'après ce qu'on vient de voir au combat, il faut bien ça, je pense. Bon, on approche du coup du soir, après une journée un petit peu confuse. On a mis du temps à trouver la pêche, à régler les problèmes de décrochage, tout ça. D'ailleurs, c'est pas complètement réglé, puisque visiblement, les mecs pêchent même avec des hameçons simples. Bon, on a réussi à sortir quelques poissons, c'était pas mal. On s'est rendu compte qu'il y avait deux approches. Une pêche à vue sur les boules d'alvin que protègent les snakehead, typique post-spawn. Et puis une pêche à l'aveuglette, blind fishing, comme ils disent. Où là on pêche les postes, mais bon, comme on peut voir, des postes il y en a pas mal, donc on s'en remet beaucoup au guide. Mais pour l'instant, c'est ce qui nous a rapporté le plus gros poisson, même les deux plus grosses touches. Donc on continue. Aujourd'hui, j'ai utilisé deux cannes à Steeze, Daiwa Steeze, Stratfortes. Pour le moulinet, c'est le Zillion SH. Super High Speed et le nouvel moulinet à Pluton 200 ASH High Speed aussi avec tresse de 70 livres et paddling de 40-50 et au niveau leurre c'est à stick bait avec beaucoup de bruit et aussi à bass bait.
Dépose. Téléphone à deux. Non, t'as vu. Tout. Bon, après une première prise de contact sur le Snakehead, sur un site qui avait l'air assez fréquenté, on est rentré en pleine forêt équatoriale, sur une réserve aborigène. On se trouve actuellement sur une maison flottante avec nos guides et on se prépare à passer 3 jours dans la jungle sur des spots qu'a priori peu de gens connaissent pour essayer d'attraper 2 variétés différentes, le Giant Snakehead, qui est le premier qu'on a touché le premier jour, et une petite variété dont j'ai perdu le nom, mais qui a l'air donc plus petit, mais plus agressif et plus combatif. Donc on va voir ça sur les jours qui suivent, en espérant que la pluie ne nous coupe pas la pêche, parce qu'il y a l'air d'avoir un orage qui arrive. Si on allait pêcher. Là on se trouve à l'entrée d'une rivière qui se jette dans le lit principal, une petite rivière, voilà. Et là on voit qu'on a touché plein de poissons, parce que là-bas l'eau est assez claire, et là elle est vraiment fourbide. Et on a au passage les 2 couleurs, voilà, et c'est juste là que ça se passe. Ça c'était un petit snakehead qui a chassé. On arrive sur la rivière Skin, d'après ce que j'ai compris. Même profil que la précédente, mais plus large. Et alors là, on lui a dit qu'est-ce qu'on met, petit leurre, gros leurre, il m'a dit n'importe quoi, tellement c'est rempli de poissons. Et je crois que c'est de l'humour en fait. On est dans une petite rivière ici. On a fait quelques touches. J'ai raté un. Il était assez gros. Avec stick bait comme ça. Regardez comment il est. Il est là. C'est juste un fish. Hein. Le can, il était avec Steez, Stratfortes 742, Moulinet, Pluton, High Speed. Avec le 13 de 60 livres et 50 livres de fluorocarbone. La poisson nageuse, ça va pas marcher du tout. Donc je vais y aller au dernier choix, au jig. Ah, là, ce sont des choses qui arrivent. Ça sera pour le bêtisier. Il a explosé le machin quand j'ai dit ça peut être bien.
c'est pas bon pour faire une jean. Ah ! Ça va bien ? Ah, c'est comme une ronce. Ah ! Ah ! Eh ben, qu'est-ce qui était accroché maintenant ? Ah ! Aïe ! Oh la vache ! Tu peux me dire à quoi tu pêches, Rive ? Mais merde, c'est une perruque. Qu'est-ce que c'était ? Fiche ? Non, j'ai fait une perruque. Mais ah, c'est des fiches, non ? Sur des poissons, peut-être. Alors, mais là, bah, en fait, là, aujourd'hui, on a fait tout. On a essayé tout. Et là, c'était naze. Donc, j'essayais de faire le dernier truc, le jig. Quelle est la limite de la pêche au leurre ? Ben la limite de la pêche au leurre, c'est ça, c'est cette eau. Aujourd'hui, avec les pluies de ces derniers jours, la pêche a été rendue impossible. Donc on a été obligé de remonter dans les affluents, essayer de trouver de l'eau claire. On décroche deux poissons, deux jolis poissons, on pense. Mais c'est un relatif échec. Demain, on part en forêt chercher un lac, a priori une petite heure de marche en forêt, et essayer de trouver de l'eau plus claire, de l'eau surtout qui n'a pas trop évolué en couleur ces derniers jours. Mais en attendant, on se console en pêchant au filet les poissons de la pisciculture, où on trouve à peu près toutes les espèces de la rivière. Et j'avoue que c'est pas mal. Hein, il est beau. Alors ça coûte des ronds, hein. T'en prends deux, tu payes ton billet retour. Oh. Imagine la force que ça. We go? Ah, let's go fishing! Hurry up! Hurry up! Go, go! Go for it! La PME! On va? Oh! Oui! Bravo! Few words about your performance? First impression? Scary. Effrayant. But I'm very proud of myself. Il est assez fier de lui-même, comme tous les Japonais. I think I'm gonna be the number one. Il pense que il va devenir le meilleur, le premier dans cette discipline de fer, qui est l'arrachage de scarabée rhinocéros. La journée de jungle fishing s'annonce rude. Une petite incantation ne sera pas de trop. Dieu du snakehead, soyez avec nous. Tu branles. Merde, t'as mon nom pareil. Ah, mieux. Oh oui, c'est bien ça. Good cast. Oh putain. Voilà, il est parti dans le bois. Zinwood. Ah, oh, il s'est calé. Regarde, il est là, c'est un petit. Quoi, c'est une fiche ? Ah, c'est pas un snakehead ça ! Oh ! Contrôle. Ah. Go. Hop, yeah. Oh. Wouhou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le chevette local. Et bah, je peux te dire que ça a des dents parce que j'aime foutre les dents dedans. Oh. Ah, regarde ça. On buzz bait avec la tournament. Hop. Là, il chassait juste avant. Regarde les dents que ça a au fond.
Il a les dents dans les ouïes, j'ai les doigts dedans. D'ailleurs, je vais saigner, je pense. Par ça, c'est un pays sûr. Allez, ski. J'en ai jamais un. Aïe, aïe. Accident du travail. Baboum, baboum. Baboum, non, il est bon. Le guide vient de me dire que c'était des traces d'éléphants. Ah ouais? No way. J'espère qu'on va pas voir un tigre. Ne vous inquiétez pas les gars, on est plus très loin, mais attention aux serpents quand même. Hein. C'est comme des traces de facochères avec le sabot et les griffes devant. Mais il a pas su me dire en anglais le nom, donc j'extrapole un peu. Là, c'est une mare pour éléphants en fait. Ils viennent se rafraîchir, il y a de la boue. Et ils se roulent dans la boue. Oh, attaque. T'as été attaqué là? Ouais. Il y a des petits poissons là-dedans. Une mare au canard. Merde. C'est bizarre, hein. Il ne mord pas. Il ne mord que quand ça agresse. Ouais. C'est des petits poissons? Petits poissons, mais ils mordent que à quelque chose de très agressif. Donc il faut avoir beaucoup de bruit. Donc je vais changer quelque chose. Yes! Bah, on a commencé avec stick bait et aussi bass bait, mais comme on savait que c'était petit poisson et ça morde pas avec triple à hameçon, donc j'ai essayé de faire avec spinner bait et absence de chance d'élire, et voilà les résultats. Là normalement t'as du bêtisier, tu peux même péter la gueule. Oh sa merde. Et attends, ton pince. Hop. Merde. Coincé. Hop, allons-y Charles. Ouah, ouah. Voilà, normalement c'est là où on chope les sangs. Ah merde, on fait demi-tour. Bon, on s'est juste perdu. On y va? Allez, mais non, tu vas te faire mal. Oh, là, là. Ah, tu vois, t'as. Tu vois, safe! Ah, j'ai bougé un peu, hein. Non, je me suis rempli. Oh non, je me suis rempli d'eau, je vais avoir des sangs suite partout. Oh. J'ai ça pour rentrer à Paris.
Alors là, vous allez sur un nouveau spot? Ouais, alors c'était le spot qui était à 10 minutes. Donc on a refait une demi-heure de marche, plus 10 minutes de bateau. Et là on est reparti pour marcher. C'est, la notion de temps est très élastique. C'est chaud? Elephant. Yeah. Elephant. You can't go. Visiblement ça rigole pas trop. Là les guides ont perdu un peu le sens de l'humour sur ce coup-là. C'est beau de voir la peur sur le visage de quelqu'un d'autre qu'un touriste. Alors en fait là les guides attendent que les éléphants s'éloignent parce que visiblement ils nous sentent et après ils sont capables d'attaquer. Et alors ce qu'ils font, c'est amusant, c'est un peu comme pour les Indiens, ils mettent la main au sol et ils arrivent à savoir si l'éléphant approche ou s'éloigne rien qu'aux vibrations transmises par, par la terre. On espère juste que c'est fiable. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, il y a un lac, petit lac, on peut y aller, on devrait y aller, mais en fait, apparemment, il y a un éléphant. Et il a dit qu'il faut attendre 5 minutes, faut attendre, parce que l'éléphant, il est en train de traverser le chemin. Il faut pas gêner, quoi. Voilà. Oui, on sent bien les marques d'éléphant. Huh? It's a flying lizard. Yeah, it's flying, through the tree. Yeah. Ah, c'est un lézard volant, il saute d'arbre en arbre. C'est hyper douloureux, quoi. Le guide a dit qu'il a passé l'éléphant il y a quelques minutes. Regardez ici. Bon, c'est pas un monstre, mais c'est jungle fishing au moins. Allez. C'est la vie, hein, quand même. Allez. Bon, bah, one bite, one lure. En fait, j'ai l'impression de passer plusieurs fois au même endroit, ça me fait sortir du cover. Parce que l'autre, je suis passé au moins 10 fois. Et ça se trouve, il venait juste du côté, là. J'avais un peu annoncé celui-ci, hein. Il en baisse, il tiendra pas jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, on va essayer de pêcher un nouveau endroit. Encore une fois, on doit marcher environ 10 minutes, apparemment. Voilà.
Oh là là, je trouve qu'on va encore patauger. Là, je m'apprête à changer mon undersurface pour un buzzbait, parce que ça a l'air d'être définitivement un des leurs du séjour, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un des leurs qui plaît le plus au snakehead, et aussi grâce à l'hameçon simple qui semble moins décroché. Mais la particularité, au début on n'y croyait pas, c'est que les buzzbaits ici, les poissons les prennent surtout sous l'eau. Alors, ce qui est rigolo, c'est que juste avant d'arriver, on rigolait dans l'avion, parce qu'il y a un démonstrateur dans un magasin assez connu, qui faisait nager ses buzzbaits sous l'eau, ce qui est en soi une hérésie. Et là, c'est Romaric, notre réalisateur caméraman, qui est un siluriste, et qui nous a dit prendre des silures sous l'eau avec son buzzbait. Et il a commencé à pêcher sous l'eau avec le buzzbait, et il en a fait. Et on a commencé nous aussi, d'abord à ralentir la nage, pour qu'il soit juste nageant sous la surface, et ensuite à descendre franchement. Et là, comme on l'a vu, ça a marché directement. Donc bon, snakehead, un poisson pas comme les autres. Yassa ! Guide, il nous a guidé à étant assez sacré. Apparemment, il y a pas mal de potentiel de poissons. J'ai tout sélectionné ici. Hein. Alors, le pioneering, c'est d'abord faire des kilomètres. Pour ce spot, on s'est encore farci deux nouvelles heures de route. Bon, c'est quand même moins fatigant que la jungle. Mais ce coup-ci, c'est notre dernière chance. Donc, je croise un petit peu les doigts. T'es beau celui-ci, hein? Next one. cm, flottant. Ça va plonger un petit peu plus que top water. C'est jack bait, minnow. Donc on va essayer avec ça. Yes, yes.
pas gros, hein, mais il y a patate, hein, sacrée patate. Il a décroché le soleil de devant, donc j'ai que absent de arrière seulement. Il faut que je ressorte. Toman, giant snakehead in Malaysia. Bon, pour une fois, c'était pas une planche pourrie notre lac, hein. Y a vraiment du fish. On en rate un petit peu, mais là on a déjà fait deux beaux poissons. Putain, si on l'exploite bien comme il faut, à mon avis, ça va payer. Raté. Ouais, très short bite. Hein. Bon, je vais commencer à animer un petit peu plus lentement. Ils arrivent à faire plier la strato forte. Oh, nice one! Oh là, voilà, il prend jamais venir. T'as pas une forfaite là, on sent pas beaucoup. La bouche. On dirait qu'il sort de prison, il sert un peu les machos là. Hein. J'ai pas trop envie de m'en mettre un deuxième fond en bois. Bon, on va mettre un peu de travail. Bon, cette fois je me suis pas mis l'hameçon. T'en as? Touche, c'est très très violent. Il faut tenir bien le canne, sinon on va racheter. C'est un undersurface d'Aiwa, c'est un leurre qui est méconnu en France, alors que c'est un des meilleurs chalominos du monde. C'est le leurre qu'on avait choisi pour faire Colorie Predator l'année dernière, et que j'ai perdu dans la gueule d'un snakehead il y a 10 minutes. Et ça, c'est un super truc. Colorie spécialement pour la France. J'ai failli
failli tomber, hein. Hein, t'as failli tomber, là. C'est exactement comme au tarpon. La touche est aussi violente que le tarpon. Ça peut t'arracher la canne des mains. Tu vois, ça c'est un poisson, je lui ferai pas un bisou sur le nez avant de le relâcher, tu vois. Là, ce que je fais là de les prendre à la main, faut pas le faire. Tout à l'heure, on a vu, je me suis planté un trip. Il faut prendre une épuisette, c'est surtout ça le truc. Mais bon, quand on n'en a pas, on bricole. Ok. En fait, c'est un petit poisson, mais qui s'est défendu comme un diable. Comme un diable. Oh. Yes. Ah, bouge pas, c'est pas mal, bouge pas. Ah, la lumière est bien en plus. Ah, c'est touche pas. Voilà, je zoome à mort. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Il faut te battre. Un shallow minnow. Le bavette il est très court, ça passe très peu d'eau. Et aussi, qu'est-ce que c'est intéressant ici, c'est le couleur. Le couleur c'est très important. Apparemment, on a essayé plusieurs sortes de couleurs, genre couleur normale, argentée, dorée, etc. Mais le celui que ça marche mieux, c'est avec le couleur chartreuse. Barré, c'est Yann Orage qui arrive et on a un petit peu long de marche pour arriver à la voiture.